j'aime mettre les gens devant un tableau qui ne prend pas une position claire, nette, précise. Donc, ce n'est pas un tableau qui te dit, bon, ça c'est la guerre, c'est la destruction, on voit les morts, on voit les cadavres. Non, on ne voit rien. C'est un joli paysage avec un beau ciel étoilé, au clair, une belle journée du mois d'août. Donc, en fait, c'est à partir de là que ce qui m'intéresse, c'est justement créer une atmosphère d'inquiétude. Mais c'est un type d'inquiétude qui est. Il y a beaucoup d'énergie parce que la destruction comporte toujours une reconstruction. C'est toujours un moment où il y a justement où il y a le passage entre la vie et la mort et l'inverse. Donc, et moi, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà, donc mes tableaux sont assez métaphoriques en général. Je travaille sur des couches superposées des peintures jusqu'au moment où les images s'effacent et sont en fait l'image devient à la limite entre des images qui sont reconnaissables et des images qui sont abstraites. Et cette image un peu éphémère m'intéresse parce que ce sont des images un peu évoquées, donc ne sont pas immédiatement lisibles. Et quelque chose qui est évoqué, c'est quelque chose qui vraiment permet de rentrer dans une atmosphère et permet aussi de se perdre et donc aussi de pouvoir penser à autre chose, de réfléchir. Je crois que les peintures correspondent toujours au caractère de la personne. Donc, moi, j'ai vu ces contrastes. En fait, je suis porté vers une dimension expressive, expressionniste, mais aussi vers une. J'aime aussi les rêves un peu classiques, donc j'essaie de mettre en forme les deux. La même chose, c'est pour les ruines, pour la destruction, pour la vie, etc. J'essaie de faire toujours en sorte que tous les éléments soient là, en fait. Mes tableaux ont une structure toujours assez simple, je dirais même très simple. Et à l'intérieur de cette structure simple, disons que j'ai la possibilité d'aménager l'atmosphère, les couleurs, tout ça, avec une grande liberté. Ce qui m'intéresse, c'est d'émouvoir, en fait. Si on arrive à reproduire des sensations, c'est le plus important. Après, si on reconnaît une ville ou pas, ça, c'est pas important.